Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... J'allais encore dire Mass Effect Andromeda. Final Fantasy XIV. Comme on peut le voir avec ce personnage Chips. Le let's play est toujours en cours pour Final Fantasy XIV Unreal Reborn. Mais un événement a lieu à l'heure actuelle. Le festival du Gold Saucer, si je me souviens bien. Donc on va le faire avec mon personnage principal. C'est parti! Vraiment que j'arrête de dire Mass Effect Andromeda. Bon, vraiment que j'arrête. Bon, bien entendu, comme d'habitude, on ne s'occupe pas des quêtes qui sont là, c'est pour plus tard. Bon, tout simplement pour moi, alors ça c'est pour moi, ça. Ça. Je vais aller d'apparaître, pas directement au col, c'est ça. Bonjour, des bonjours quand même. Pour les goals ce soir, j'en ai 80 000, ça va, je pense que je suis... Bon, ça plaît, Vent, il n'en faut pas grand chose en général. L'heure d'aller au Gold Saucer. Moi le décor, toujours intéressant. Moi j'ai tendance à manger d'habitude. Vas-y, vas-y. Thank you.
C'est tout? Ok. Faire un tour du Google Sensor, je sais pas si j'aurais fait une vidéo dessus entre temps. Vu que je la fais ici, je pense que je vais faire un peu de tout voir faire. Je crois qu'on s'est mal connu, je crois que pas. Pour les courses, donc Chocobode en 5, donc un peu vous expliquer comment on va faire la parlotte avec les différentes personnes ici, comme ça vous aurez des explications tout simplement. Simple aussi. C'est 3 par niveau si mes souvenirs sont. Bon, grosso modo, comment expliquer ça? On va rendre le petit chocobo de rang A, le plus bas rang, et on peut le faire monter jusqu'au rang 9, si je ne me trompe pas, ça va être le rang maximum. Et au fur et à mesure, bah, il devient meilleur qu'à moi. Je pense que vous avez compris. Chaque chocobo, en plus de chaque dub, des rangs dispose de nouveaux. Jusqu'à 50 si mes souvenirs sont 200 de nouveaux secondes. Qui permet donc au fur et à mesure de pouvoir les dresser avec des fourrages. Donc c'est des objets qui permettent d'augmenter les attributs bien particuliers. Tout ça pour dire qu'au final, bah, moi j'ai un chocobo de rang 5. Je ne peux plus évoluer parce que je pense être arrivé à une. Un peu par chance, on va dire, à une zone intéressante pour farmer des PPS. Je passe dessus. Ça, c'est mon point de vue. Alors, quelques points sont à moi. C'est parti. Je vais faire une descente, ça fait longtemps. De base, on attend qu'il y ait une équipe, sinon, bah, au bout du temps écoulé, on joue contre des PNJ, soit avec des PNJ et des joueurs, soit avec full joueur s'il y a des arrive à trouver une entière, ou alors nous tout seuls contre l'entièreté des PNJ. Comme ça, on est sûr de partir au bout de 25 secondes. Comme vous voyez, ça me coûte 10 PGS après de lancer la partie, ce qui n'est pas grand chose. De manière générale, on est beaucoup plus à la fin, sauf si on est là.
contrainte en général au jeu de passer la porte de plus. J'attends un peu la réponse active à la prochaine. En général, c'est le cas de la console. Alors, ça, c'est un piège qui met peu d'entente sur votre jeu. Ça vous est plus en plus. Si vous êtes sérieux pour ça là, bah. Des objets. Mon but c'est de ne plus avoir les objets. Ça par contre c'est l'objet que je veux pas prendre ici. Là je peux pas l'utiliser, j'ai rien compris. Car il permet d'augmenter la stat et la tri ici. C'est intéressant. Mais quand on a un objet, on peut l'utiliser. On ne peut pas utiliser d'autres. Météor permet donc d'envoyer un gros météor sur votre de faire ça ici devant vous, pas derrière. Et que vous pouvez voir, mais ils sont en couple de feu. Ils sont avant, ils sont pas utilisés pour faire ça. Les deux capacités que je dispose, sprint, je pense que c'est un autre chose que ça veut dire, c'est sprint, vous savez. J'ai rajouté tout à l'heure la course, parce que même quand on a plus d'endurance, d'énergie, le sprint peut être utilisé. Bien entendu, là, soit permet tout simplement mais de l'endurance. Là, je vais utiliser pour sortir de pied de place qui pourrait bouffer mon endurance. Là, je vais faire parfait. On va en faire encore. Et après, on passera à une autre activité. La barre qui a son bon chocolat, et la barre de flambeur. C'est pour. C'est la barre de vie qu'on gagne au Gold Saucer, on peut jouer la barre pour les courses au Gold Saucer. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai gagné 1530 PS. Grâce aux 50% qui sont. Ils sont mis en tout cas pour la point de taxe. Sinon, ça vaut moins, c'est un peu. Maintenant que j'ai un peu repris les mains, on va faire la technique maximale que je vous fais avec la boucle d'aiguille, de sang. La différence, c'est tout simplement on gagne plus de PGS sur les, par rapport à notre position. Si on est aussi genoux, je suis premier, je gagne un peu plus de PGS. De PGS. Si j'avais été premier, t'as été envoyé 200 euros. J'ai gagné un bonus en PGS, tout simplement parce qu'il y a le carnet d'objectifs. Hein, tout ça. Le carnet d'objectifs qui permet de gagner des PGS. Ça, c'est fou. Le carnet se reset une fois par semaine. Pardon, si je n'ai pas d'outils. Ça se trouve, je t'aurais bien entendu déjà dit dans d'autres vidéos. Hein, mais voilà. Jamais trop informé. Ah, j'ai pas de bâton. Ici on peut voir qu'il n'y a que des chocobos avec une seule mère, c'est-à-dire que ce sont tous des PNJ. Les joueurs sont également en bloquant.
activités favorites pour Dark Souls, ça. Et c'est ça qui permet d'avoir très grand nombre de PGS, tout ça. Voilà, donc on va aller faire l'activité qui est juste à côté. Voilà. Comme un guetard de jeu, le champ de script. Enfin, le combat d'entraînement, comme ça, vous pouvez voir sur le salaire. Et ce sera plus simple, finalement, parce que moi, je ne vais passer qu'à moyen sur l'activité. Donc, chacun ses goûts, de toute façon, on va voir. Un entraînement contre PNJ, donc je ne peux pas faire ça. Thank you.
parti. Le suspense est assez intenable. On l'aime au mieux comme ça on peut protéger le nôtre, Pierre, Harkin, tout en attendant qu'il y a l'autre. Le but c'est de détruire plusieurs fois la pierre arcanique pour faire baisser tout simplement la barre ici, le milieu, pendant ce qu'on a perdu. Puis je crois que si la pierre C est bien entendu celle du troisième, la pierre A. Faire un autre combat de mascotte, pas tout à fait celui-ci, donc en plus des combats de mascotte comme vous, il y a également des boss tout simplement. Ici, nous avons le boss qu'il faut monter. Tout en défendant bien entendu. Trois pierres. Ah.
pourquoi je dis cela, tout simplement parce qu'ils coûtent 30 points, ça va, d'accord. Là, pour moi, ils ont la meilleure attaque, la meilleure vitesse, enfin, ils ont leur bon ratio, tout en ayant deux autres. C'est important. C'est qui tout double, on va quitter bien entendu, ça sert à rien. Juste pour vous montrer, on a gagné les 50, juste 60%, donc on a gagné 80%, sachant qu'on avait donné APGS pour faire un truc, c'était essentiel. Sur la longueur, les chocobos sont toujours intéressants, donc voilà, pour arrondir les mêmes points. Ça peut être intéressant. Maintenant, on passe à la belle pioche. Également souligné au nord du ciel. Bon, la plus grosse somme possible, c'est en même temps, ils n'ont pas de 3. C'est pour ça que j'essaie d'avoir quelque chose qui va avec ça. La seule possibilité d'avoir le 1, 2, 3, c'est ça. Et il peut très bien de l'avoir ou pas avoir. Là par contre, 18, c'est ça. 119, ce serait déjà un gars. Moi je voulais. On a quand même 153 grâce à plus. C'est toujours ça. Encore 5. Parfait! Avec le bonus, en toute logique, ça doit faire casse. 16, mais il y a un bonus de 60%. Regardez. En pleine vidéo, franchement, je l'ai pas souvent. Hein. Encore à 3 les effets. La
C'est le CP sans ça. C'est trop bon pour être un jeu. 13, 13, 13. Je t'en prends un bon 370, ça va du tout. Bonne chance. On peut voir où devoir se voir. C'est une chance qu'on va aller dans cette mission. Voilà, voilà. Je vais vous montrer le triplot. On va faire le match d'entraînement également. C'est un peu ça pour vous montrer. On pourrait mieux en situation. Alors, si je peux utiliser que mon deck, c'est mon deck. Il est franchement pas fameux. Je joue très très peu. Très génial. Comme je vous l'ai dit, je préfère largement quand je joue. Alors, comme on peut voir, chaque carte dispose de poids sur les côtés. Ici par exemple, il y a 17 de ce côté-là. Il est très faible par contre sur le côté gauche. On peut trouver un petit peu là. Comme ça, je suis disposé sur les côtés, donc on va encore sur les côtés pour l'instant. Par exemple, là, je défends bien, j'ai 7 et 8, je ne pouvais pas retourner ma carte. Par contre, moi je vais retourner sa carte. Parce que mon poids est beaucoup plus grand que tout. C'est logique. Le but pour gagner, bien entendu, comme vous le verrez, c'est d'avoir plus de bleu, si c'est votre couleur, ou de rouge, si c'est la vôtre, que celle de l'adversaire. Là, 600, Berry avait 8 en dessous, moi j'en avais 4. Voilà. Je gagne pas mal de temps. Je pense que vous avez le principe. On va faire une partie contre l'autre joueur. Quand je vais faire mes quêtes hebdomadaires pour les GS, quand je vais les rentrer chez moi, je sais pas. C'est ce joueur-ci que j'ai pris. Oh, le signal est allongé. Ça arrive. Automatique, ça fait quoi? Ah, ça prend des cartes automatiquement dans mon deck, par-ci par-là, ok. Bon, on va lancer ma carte. Donc on va faire un peu tour de ce sort.
quelque part, vous pouvez enfin retrouver. Ah, notre cher Hildebrand. Normalement, à ce moment-ci, je vais faire les quêtes de plus loin. Je sais pas exactement qui c'est. Alors, on va continuer notre petite découverte. Ou redécouvert pour la énième fois, je ne sais pas si je vais en faire je vais bien. Gilgamesh. C'est parti. Le but, bien entendu, c'est d'aller là, sachant qu'au fur et à mesure, la barre ralentit. Le but c'est d'attendre, mais pas trop longtemps parce que la barrière est là. Si on a pas trop longtemps, bah après là. Bon, je me souviens de l'avoir passé bien évidemment. Il va y en avoir d'autres, je pense. À chaque fois que je le fais, je l'oublie derrière. Je ne fais pas grand chose. Je pense. Je sais plus comment on voit ici. Ça, c'est ici. Je pense que c'est ici. J'ai jamais fait ça. Je pense que vous voyez ce, de quel type de jeu il s'agit. On a souvent des problèmes. Hein. On a droit à chaque fois un seul clic sur le bouton. Donc ça, ce serait pour se diriger de manière horizontale. Et seulement après, de manière verticale. Voilà, je pense que je suis très mauvais sur ce jeu-là. Je vais arrêter là. C'est donc ici que nous avons commencé. J'avoue que je suis un peu déçu de l'homme, je suis juste pas un petit quête comme on passe dans
c'est pas grave. Au moins j'aurais profité pour faire l'épisode sur le Ghost of Tsushima. Et je vous dis à la prochaine.